Yo, salut tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour un magnifique mode carrière. On rencontre aujourd'hui Bray Wyatt. Et eh oui, Bray Wyatt, hein, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Si on peut rejoindre la Wyatt Family, pourquoi pas, hein, vraiment. Moi, je dis oui, je signe dès demain, voilà. Et c'est parti contre Bray Wyatt. A priori, un gros match hein, contre Bray Wyatt, j'ai l'impression... Peut-être qu'il va se passer quelque chose d'intéressant ou pas, hein, comme tout le temps, en mode carrière. Il se passe pas grand-chose des fois. Mais bon, peut-être que là, ça va changer. En tout cas, il a un regard après Wyatt. Cette image, elle me fait vraiment flipper. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Vraiment. Tu peux arrêter de me regarder comme ça, s'il te plaît, Bray Wyatt. Tu me fais peur, là. Tu me fais vraiment très peur. Hashtag fragile, hein. Fragile le petit Bray Wyatt, cette photo là. La fragilité de Bray Wyatt. Qui s'est blessé d'ailleurs, Bray Wyatt en vrai, hein, Milan, il s'est blessé lors d'un live. D'un house show. D'un Raw house show. Il s'est blessé au mollet, je crois. Ou à la cuisse. Au mollet. Il s'est blessé au mollet. Ça fait mal le mollet quand on se blesse au mollet. Une déchirure du mollet, ça fait quand même assez mal. Allez, c'est parti. Oh, le petit Tatémi. Fais quoi là, Bray Wyatt là? Arrête! Arrête! Oh, je t'ai dit d'arrêter. Coup de boule! Je dis d'arrêter. Je dis d'arrêter, vous êtes témoins. Je dis arrête, arrête et tout, il a pas voulu. Oh, je passais par-dessus le tronc encore. Il a pas voulu arrêter, ben voilà, j'ai mis un coup de boule, hein. C'est la sanction. Il y a par là. Ouf! Le pauvre. On vient de l'éclater contre la barrière. Enfin, contre le ring, on va essayer de l'éclater contre l'escalier. Oh là, comme ça, comme un vulgaire sac à patates. On lui marche dessus. Allez, on l'écrase. Mais tu vas t'écraser, Bray Wyatt. Tu vas t'écraser. Allez, allez. Oh, il m'a rentré. Ouf. Ok, il remonte sur le ring. C'est une fiotte. C'est une petite. C'est une petite fille. Bray Wyatt avec ses cheveux longs. Allez, viens par là. Boum! Le coup de boule. Le coup de boule à droite. Le coup de boule à gauche. Doucement. Voilà, on l'a éclaté là. On l'a monté dessus là. Allez. On va faire un petit Boston Crab. C'est très difficile à porter. Car t'as encore beaucoup d'énergie. Ok. M'a contré. Normal. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai. Ah là 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 là. Il aime bien me balancer par-dessus la troisième corde. Hein. C'est une passion peut-être chez lui. Balancer les gens comme ça par-dessus la troisième corde. Pourquoi pas? Putain. C'est une passion comme une autre. Il y en a qui aiment ça. Hein, qui aiment autre chose. Hein, écoute, hein. Oh oh. La contrée. Il fait quoi? Il a fait Bray Wyatt là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé comme un caca. Comme un gros caca, il est tombé. Je sais pas ce que nous a inventé. Tiens, vas-y. Oh là là, je l'ai balancé comme si c'était un vulgaire sac de riz. Qu'on allait donner au tiers-monde. Tiens, allez, bouffe ton riz. C'est du Bray Wyatt, c'est du bon. C'est quoi du Bray Wyatt? Bah, c'est du bon. Ok. Il contre assez souvent. Il a plus de contre, donc côté. Tant pis pour lui, quoi. On va lui briser la mâchoire. Regardez, bra. Gros brisage de mâchoire. Au calme. Il va pas me contrer, il pourra pas. Attention. Oh là 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 là, l'Atemi. Le gros Atemi que je lui ai mis. Ça doit faire mal. Oh, le coup de boule dans la tête. Ah, ça, par contre, même moi, je pense que j'ai eu mal en faisant ça. Honnêtement, mettez un coup de boule à quelqu'un dans son crâne, c'est pas vraiment le meilleur endroit où faut viser, hein, je vous le dis honnêtement. Oh là, ah oui, c'est vrai, j'avais ces trois enfourchements là, qui étaient mon petit truc à moi. Trois enfourchements hein, avant de faire mon senton. Voilà, j'aime bien ces trois petits enfourchements là, avant d'enchaîner avec le senton. Boum, voilà. Est-ce que ça vous plaît quand je fais des petites actions comme ça, genre des prises de destruction avant de poser un... Enfin, je sais pas trop, ça fait une marque au catcheur.
Comme des fois, il y a des catcheurs qui posaient des coups avant de faire un autre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est sympa, moi. Ça donne un petit cachet. Boum ! En plus, je peux le rater, donc c'est pas comme si ça allait réussir à 100%, quoi. Je suis un peu fatigué, hein. Un peu fatigué, là. On va lui marcher dessus. Voilà. Petit coup de genou dans les côtes. Ça fait toujours un petit peu de mal, hein. Franchement, les côtes, c'est assez sensible. Allez. On va essayer de terminer. Oh là, on l'a claqué au sol, le Bray Wyatt, là. L'arbitre. 1, 2. Eh, dégagement, quand même. Quand même, on signale. On me signale le dégagement de Bray Wyatt. Eh ben, dis donc. C'est un bon dégagement, si je puis dire. Ok, ma contrée. Ah ok, là je te stress. Je pensais pas. Mais on a déjà affronté Bray Wyatt, il me semble. Hein. Il me semble qu'on a déjà affronté Bray Wyatt. Hein. Semble-t-il, hein. Ça me dit quelque chose, ça. Peut-être pas avec Monsieur Oxford HD, peut-être avec Dean Ambrose. Je m'en rappelle plus. Non, ça a pas marché. Ça a marché, c'est sûr. Pas tenter le diable. Oh, je pensais que j'avais contré, mais non, même pas. Arrête. Tu saoules, la Bray Wyatt, là. Oh là 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 là, le coup de la corde à linge, une fois de plus. Il pique, hein, ce coup de la corde à linge, n'empêche. Hein. Oh, le poteau. Qu'est-ce qu'il y a? Le poteau. Ou plutôt, où ça? Le poteau. Où ça? Le poteau. On est à 8. On est à 8. Non. Non, je vais leur descendre. Oh là là. On m'a volé. Enfin, on m'a volé. J'ai gagné le match, mais je vais pas gagner comme ça. Pas par des comptes à l'extérieur. Non, c'est moche. Je voulais pas gagner par deux comptes à l'extérieur, c'est ballot, c'est triste. Je boude. Il est partout, Bray Wyatt. Hein. Il est partout, il est en train de faire un petit câlin à R-Truth. Il va sans doute lui faire un petit bisou puis lui faire dodo après. Il est partout, ce mec. Hein. Il y a une gimmick qui est en train de devenir assez énorme, quand même, dans la vraie WWE. Dommage qu'il y a cette blessure hein, qui me fatigue un peu, cette blessure de Bray Wyatt là. J'espère qu'il va pouvoir s'en remettre assez vite. Parce que sinon on va bouffer du Reigns tous les shows. En tout cas, moi, ça m'a choqué quand ils ont fait équipe ensemble. Surtout quand Bray Wyatt disait. Tout le monde sauf toi, Urban. Tout le monde sauf toi. Bon, en fait. Voilà quoi, ça veut rien dire. Allez, du côté de Raw. Oh, une de vos superstars préférées, cher abonné. Kalisto. Kalisto, hein, donc. Eh bien, pourquoi pas. Kalisto, c'est du sympathique catcher, quand même. C'est du bon. C'est du bon catcher, Kalisto. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, sachez... pour les fans de Rey Mysterio, il a repris le catch hein, à la Lucha Underground. C'est une fédération mexicaine, me semble-t-il. Et il a repris le catch, hein, il est dans le show. Donc, si vous voulez le voir, ça passe sur Action. La chaîne Action, voilà. Mais il sera pas dans toi, WWE. Je baille, désolé. D'ailleurs, il y a même Ezekiel Jackson, anciennement. Qui s'appelait comme ça, qui est à la Lucha Underground, il y a John Morrison. Quelques anciennes superstars de la WWE qui y sont. Hein. Après, je regarde pas seulement, j'ai regardé un show, hein, deux shows de la Lucha Underground. Je suis pas spécialement fan, hein, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, on va dire.
Mais après, ceux qui aiment bien. Après, c'est vrai que c'est du beau spectacle. Hein. C'est des bons matchs, généralement. C'est des catcheurs. Surtout les main events, les matchs vedettes de la Lucha Underground qui sont vraiment très bons. Ah, on est à Las Vegas, en Nevada, donc c'est bien Las Vegas, en Nevada. David contre Goliath, hein. Oh, 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 c'est le Big Guys! Ouh, c'est le Big Guys! Ouh, c'est le Big Guys! Oh! Il vient de m'éclater la tronche! Il vient de m'éclater la tronche sur le. Sur la rampe! Ah, je suis pas fan! Ah, je suis pas fan! Non, 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 Ryback, Ryback! Non, c'est dur ça! Non, 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 il va me tuer! Il va me tuer! Oh! Dieu. Oh my god, il vient de me détruire là. Il vient de m'exploser de malade. Oh, coup de la cordonnage. Oh, l'impact. L'impact que je l'ai mis à coup de... À coup de... De sledgehammer. Moi je veux pas de rivalité contre Admax, ça m'apporterait rien. Ça m'intéresse pas. Surtout du côté de. Allez, voilà le surpassement. Sigue le patron. Surtout qu'on arrive du côté de. De. Ouais, c'est le... de... Pardon, de Money in the Bank. Moi je veux assister au match Money in the Bank. Je veux pas assister à un match contre Ryback. Ça m'intéresse pas. On fout moi la paix, Ryback. Là on a pu voir que ça a rien servi hein, ce qu'il a fait. Please join me in welcoming my guest tonight. Renée Young. Petite Renée. Let's talk about Parlons de Ryback. Bah Ryback, je m'en fous. Il m'a attaqué, mais c'est une erreur, il s'est trompé. Je l'ai explosé, de toute façon. Je suis un professionnel. Je sais ce qu'il essaie de faire, et ce n'est pas va fonctionner. Je suis un professionnel. Il ne peut pas me off my game. Je te dis quoi, si il veut venir à moi, then let's do this in the ring in a sanctioned match. We'll see what he's really about. You two have been clashing a lot. Non, pas de rivalité. Is this turning into a rivalry? Non, pas de rivalité, René. Ryback s'est trompé, je pense, en fait. Je ne prends pas ça au sérieux. I don't think it's a rivalry at all. Stuff like this happens day in and day out in the WWE. Voilà, tout à fait. J'ai des objectifs beaucoup plus importants qu'un match contre Ryback. Ryback, s'il vous plaît. C'est quoi? C'est pas grand-chose, hein. C'est un mec blindé de testostérone qui a des gros muscles et puis c'est tout, quoi. Il a aucun cachet, il a aucun charisme. Il fait même pas peur à une mouche, quoi. Enfin, un petit peu, mais... Voilà, quoi. Moi, personnellement, j'ai rien à gagner contre Ryback. Absolument rien. Je pense que je vais plus me concentrer sur un Rollins, qui est le champion en titre actuellement. J'espère que je pourrai rester du côté de Money in the Bank. Hein. J'ai assez hâte de voir ça. Je ne sais pas trop comment ça se passe, le Money in the Bank. En tout cas, ils nous ont sauté un match là. Kalisto, on devait l'affronter. Bah, manque de bol, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, dommage. Hop. SmackDown, peut-être Kalisto cette fois-ci? Non, je sais pas. Oh, Fatal 4 Way. Genre de match qui dure 15 ans. Et Fatal 4 Way. Je suis absolument pas fan. Je déteste les Fatal 4-Way. Franchement, c'est le genre de match. Un peu comme les matchs Triple Menace. Je déteste ça. Je trouve pas mon intérêt dans ce genre de match. Il y a toujours une superstar pour intervenir, machin, etc. C'est chiant. Après, c'est vrai qu'il y a du bon catcher quand même. Pas bon, entre guillemets. Ryback, est-ce qu'on peut le considérer comme bon? Je sais pas.
Shamus, il peut être bon, hein, s'il se donne à fond. Dylan Ambrose, il est excellent. Moi, ouais, je suis pas non plus, voilà. Je me mets pas dans les overstars pour l'instant. Hein. Ouais, pas superstar, je me mets overstar, carrément, au-dessus de superstar. Je suis une superstar, mais je suis pas une overstar. Ça n'existe pas, mais je l'invente. C'est pas grave. Bah tapez-vous dessus les gars. Moi j'aime pas trop ce genre de match. Quand il y a un match comme ça, ce que je fais, je prends une chaise et je frappe le premier qui vient. Voilà. Donc c'est Sheamus qui a pas de chance cette fois-ci. Ok. Ok, c'est bien parti là pour Sheamus hein, qui va bien casser les systèmes. Hein. Oh, oh la souplesse que je l'ai mis à Sheamus. Ok, contre tout Sheamus. Hein. Il a tout contré, il a plus de contre. Ça peut être bien, d'un côté ça peut être pas très bien. Pour lui par exemple. Donc on a du Ryback Dean Ambrose de l'autre côté. C'est de l'exploser un maximum à Sheamus. On va le défoncer, hein, littéralement. Putain, mais il est chiant ce Sheamus là. T'as le mec, j'ai mis tellement de coups de chaise, non, quasiment autant de points de vie l'un que l'autre. Ouf. Son médecin de la WWE, on va peut-être pas le blesser. Je sais jamais si Jerry Lawler nous fait une petite attaque cardiaque pendant le show. Il faudra peut-être que le médecin soit là. Bon, enfin, prends les coups. Il est déjà tout rouge, Sheamus. C'est dingue. Allez, rien par là, même sur le ring là que je te marave un petit peu encore. J'étais pas encore assez maravé, je trouve, selon moi. The fans know that this is a man who will stop at nothing to tear his way through the WWE roster. Ryback can't wait to get his hands on his Travis Hinton. Oh, sur la chaise en plus. Oh là là, sur la chaise. Ça doit faire mal quand même. Un Hinton sur une chaise. Hein. Relève-toi. Un petit chéché. Oh là, je le pose là. Oh, je le pose là-dessus en plus. Yes! Oh, je l'ai gagné très vite ce match! Je l'ai gagné très vite! Je l'ai niqué Sheamus direct! Ah, c'est la première fois que je gagne un match aussi rapidement, je crois, en Fatal 4 Way. En même temps, je l'ai explosé sur la chaise, hein, deux fois. C'est bien, ça me place peut-être pour Money in the Bank, ça. Cette victoire, finalement. Ça va peut-être me placer dans le match de l'échelle. Après, gagner, c'est autre chose, forcément. C'est quand même. Pas ce que je préfère, on va dire, le match de l'échelle, surtout à 6. J'ai quand même 5 adversaires contre moi. Mais bon, j'ai quand même ma carte à jouer, je pense. Hein. Dès qu'il y a des armes, je pense que je suis assez dominateur. Pourquoi il met... Ah non, d'accord, ok. J'ai cru que c'était une mitaine. Vous savez, des gants où on voit que les doigts qui étaient à son bras droit. En fait, non. À sa main droite, non. En fait, c'est juste un bandage qu'il a mis. Il a pas mis de bandage côté gauche. Roman Reigns. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer pour le prochain match? Question est ouverte. Oh, il y a l'Undertaker là, par là. C'est chaud ça. Alors. Oh, Dean Ambrose. On va le faire le petit match. On va faire le petit match contre Dean Ambrose. Un peu de cool. Didi. Didi Ambrose.
Moi j'aime bien Dean Ambrose. Franchement, je m'éclate en plus avec mode carrière, mode univers avec Dean Ambrose. Franchement, pour tout vous dire, honnêtement, en toute franchise, je vous regarde dans les yeux, je préfère le mode univers au mode carrière. Voilà, je vous le dis sincèrement. Y a pas photo. Il se passe rien dans mode carrière. Il y a une cinématique tous les 15 matchs. Enfin voilà quoi, au bout d'un moment, faut arrêter de pousser mémé dans les orties quoi. Faut qu'il se bouge le cul quoi, l'éditeur, parce que là c'est. Éditeur-développeur, les deux. Hein. Faut n'importe quoi avec ce mode carrière. Moi j'ai aucune cinématique, je sais pas, je dois me faire pisser à la gueule, je sais pas pourquoi. Le jeu m'aime pas, peut-être, il est raciste, il aime pas les blancs. Je n'ai aucune idée, mais. Il aime pas les géants, voilà, tout simplement. Le jeu n'aime pas les géants. C'est possible, hein. Qu'est-ce que je fais? Oh! Ah, c'est sympathique, ça! C'est rondement bien joué, ça, de la part de mon catcheur, ça. D'accord. D'accord, le fou, le lunatique, l'instable, il m'a fait mal. Oh, le DDT! Le DDT, pardon. Non, pas le DDT. Je fais un mélange en plus entre deux trucs de catch, on va rien dire. Ouh. Je pense qu'il a eu mal, je pense. Non, pourquoi je sors? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais on n'est pas pourquoi, je sais pas. Dans le mot magique de la vidéo, c'est. C'est je sais pas. Voilà. Hashtag je sais pas. C'est bien comme magique, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Non. Oh, j'ai cru qu'il allait se balancer en fait. Non, il m'a mis un coup de pied, simplement. Ok. Bon, c'est mieux que rien. Aïe! Les mâchoires. Oh là là, dropkick. J'aime bien ce genre de dropkick qu'il fait. Ils sont pas extraordinaires, mais ils sont mignons ces dropkicks, je trouve, à Dean Ambrose. C'est pas des big dropkicks qu'on peut voir tout le temps, mais qu'est-ce que je fais? Wow, j'avais jamais fait ça, je crois. Ok, le brise un peu là quand même pour l'instant, c'est plutôt bon signe. C'est du genre de balayette, après je t'étrangle un peu, pareil, un petit peu comme je peux quoi. Ah ok. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il a usé quasiment deux contres, parce que son contre était bientôt rechargé à fond, ce qui fait que bah, ça lui fait utiliser deux contres, on va dire, vu qu'il était rechargé quasiment à 100%, c'était à 99,9%. Oh, c'est un swinging knee breaker. Il sort des swinging knee breaker carrément, là, Dean Ambrose. Au calme. Ah, vous avez vu, il y a un gamin dans la foule juste derrière nous là, il a le t-shirt de Dolph Ziggler, mais il est en double, il y a son jumeau. Trop marrant. J'aime bien de pouvoir regarder la foule. Il y a un mec qui a un t-shirt de Dean Ambrose. Ah là 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 là. C'est bon, il est chiant Dean Ambrose, il fait que de contrer là. Voilà. Moi j'aime bien ça. Ok. Ah mais il est super rapide. J'ai oublié ce détail. Je suis quand même bien rapide aussi pour trouver le petit truc là, c'est bon. Ah, ah non, c'est contré. Oh, c'est contré par Dean Ambrose. Il m'a contré. Je crains le pire. S'il me pose son layat, je crains le pire. Ah, il est vénère parce qu'il met des grosses droites dans la face là. Ah, je le contre. Il a déjà son, finisher en plus, il a son dans l'élite. Hein. Oh là, super sérieux. German super. Ouf, ça pique. Effectivement, ça pique. Il en a bouffé à WrestleMania 32 plus des vrais contre Brock Lesnar, et je peux vous dire que ça l'a piqué un peu. Hein, Ambrose, ça l'a fait perdre quelques cases. Hein.
Bon, vu que les trois coups du dragon n'ont pas marché, je vais tenter le senton. Reste au sol, et bien au sol, c'est le seul endroit sur Terre où tu peux être tranquille. Oh là là, plus de 200 kilos qui tombent dessus là. Bonne nuit. Dors bien, fais de beaux rêves. Bisous chez toi. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Ah oui, c'est vrai. Petite balayette et étranglement. Rien d'extraordinaire, cette prise. Ah, il m'a contré! Oh, les prépaules d'or, Tidit! Ouh là 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 là! Je l'ai contré! Je l'ai contré! Et la Germaine! Et la Germaine! La mamie Germaine, elle est là! C'est pas exactement la même, hein. C'est pas votre mamie Germaine, hein. C'est plus un truc qui fait quand même un peu plus mal, hein. Mamie Germaine, elle fait des compotes, elle fait des. Elle vous donne des chocolats, elle vous fait des. Des tartines, etc. La Germaine souplette, elle vous emmène en enfer, quoi. Elle peut vous péter la nuque, hein. Ok, voilà. Bon, c'est bon, ça. On va charger le finisher et on va peut-être terminer ce match contre Dean Ambrose. Ah, elle m'a contré. Ouf, oh, éclatement de la fosse nasale au même le ring. On s'en sort bien, il a toujours pas de finisher en plus, donc ça c'est plutôt bon. Mais ça va remonter assez vite. Hein. Momentum de Dean Ambrose va monter très vite là. Le mien aussi, je vous rassure. Et la Germaine. La Germaine. Et ça faisait un petit concours de German Suplex. Allez, c'est parti. Allez. Oh là, ça fait plaisir. Les petites German Suplex. Ça va bien, les German Suplex. Dean Ambrose aime ça. Ok, m'a contré. Je pense pas qu'il aurait fait la même à Brock Lesnar. Hein. Je pense pas qu'il aurait fait le petit bras roulé comme ça sur Brock Lesnar. Hein. Oh! Petit tombé là qui pique. Non! Non! Pas ça! Pas ça! Ça pique, ça fait mal! Ça fait mal aux jambes! Je m'en suis sorti vivant. Est-ce que vous en rendez compte? Je m'en suis sorti vivant. Je suis dans le jeu. Je suis dans le game, comme disent les Américains. Et notre German Suplex. Je sais pas combien j'en ai mis de German Suplex hein, à Dean Ambrose dans ce match-là, mais je pense qu'il y a eu pas mal déjà. Hein. Vous pouvez vous amuser à les compter si vous voulez. Hein. Voilà. Je pense que là, les carottes sont pesées. Elles sont même plus cuites là. Elles sont même emballées. Là, elles sont emballées même. Là, c'est même quasiment à la maison. Elles sont même épluchées et elles sont dans la marmite. Hein, en train de cuire. Hein. Pour faire la soupe. Hein. Voilà. Épluchées, elles sont même. Enfin, elles sont tout quoi. Tranchées, coupées, tout ce que vous voulez. 1, 2. Ah! Non! Oh vite, c'est vrai qu'il a sans finisher et donc il peut se dégager. Je pensais que c'était bon, je vous jure, c'était bon pour moi. Attendez, je vais essayer de lui faire comprendre que ça se passe pas comme ça à la WWE. Voilà. 1, 2. Allez! C'est pas possible, hein. Avec ce match-là, il fait plus longtemps que les deux matchs qu'on a eu, quoi. Allez, bras à la roulée, OKLM. Tiens, oh, tu vas pas venir celui-là, mon petit. Allez, 1, 2, 3, yes, ça va. Quand même. Gros match, hein, quand même, sorti par Dean Ambrose. Hein. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru que Dean Ambrose puisse sortir un truc comme ça, quoi.
C'est un gros match quand même. Bon. Bah j'espère que ça vous aura plu, mes petits copains, mes petites copines. Oh, regardez-moi cette image de Dieu. Ceci est Dieu. On se prosterne devant lui. Ah, Seth Rollins. Qu'il est puissant. Qu'il est puissant, cet homme. Qu'il est beau, en plus. Il s'entraîne dur, hein, les amis. Il s'entraîne dur pour revenir. Peut-être revenir en gentil, hein. Peut-être revenir face, hein, Seth Rollins. Hein. J'aimerais bien, moi, le voir un petit peu face. Parce que j'en ai marre de le voir fuir, tous ces combats. Cette gimmick qu'ils lui ont donné, c'est pas sa gimmick à Seth Rollins. C'est pas un mec qui a peur. C'est un mec qui rentre dans le tas. C'est un mec qui combat. Cette gimmick qu'ils lui ont donné, c'est juste pour le voilà, c'est juste pour le décrédibiliser, quoi. Devant Reigns. Bon. Il ne restera plus que SmackDown et Money in the Bank. Et puis comme ça sera bien. Oh, en plus Mark Henry. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. On se retrouve très vite pour la suite de ce mode carrière. Portez-vous bien, c'est tout mon bail.